Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo donc du déballage de la dernière commande de chez M4 donc concernant les vestes, hein, j'ai commandé donc 6 vestes, ici ce sera la deuxième partie. Vous avez déjà vu les deux premières, donc la 250 GTL et la 250 LM dans la vidéo précédente. Bon, ici on part sur deux nouvelles présentations. Alors j'ouvre le paquet de nouveau pour deux nouvelles présentations. Comme ça, elles sont aussi. J'essaie de les sortir et les présenter dans l'ordre qu'elles sont. Je les ai présentées lors de l'ouverture du paquet. Alors, on va juste passer à la première présentation. J'en ai deux petits fourreaux bien connus. Et on est donc sur une 330 GTS. Cabriolet, enfin GTS, voilà, d'un bleu métallique clair. Alors j'ai eu le coupé, je pense, ou alors je comprends, non, j'ai le coupé, mais en version nicotine que vous avez vu aussi dans l'avant-dernière commande, je pense. Donc en fait, ils ont sorti à chaque fois le coupé et le cabriolet. Et donc ici, bah, comme j'avais le coupé en couleur or, la nicotine, je crois que c'est ça, nicotine, le terme exact. J'ai pris le cabriolet bleu azur, métal, et ben, je prendrai à l'inverse les deux autres dans les prochaines commandes. Alors, je vais faire le petit déballage comme à l'habitude. Donc, la voici. Alors, elle est magnifique, c'est surtout l'intérieur. Je vais essayer de bien le montrer, mais évidemment, j'ai pas encore du matériel assez performant, mais l'intérieur est vraiment magnifique. Les sièges, il y a une différence de couleur entre les sièges et les panneaux de porte, la toile de la capote, évidemment. Mais c'est vraiment bien fait. Le tableau en imitation rendu noyé, en tout cas en bois. Bon, c'est pas du bois, mais ça donne l'imitation. C'est vraiment bien réalisé. Là, voilà. Enfin, voilà la voiture en tant que telle. On va essayer de faire en sorte que le focus se passe. Encore une assez simple, mais efficace, j'ai envie de dire. Tout est bien respecté, les détails sont là. Donc, voilà la première présentation donc, de cette deuxième vidéo pour donc, cette Ferrari 330 GTS. 1967, couleur bleu clair métal. Alors, je vais la remettre dans la boîte. Ah, vous touchez quelque chose. J'ai entendu crier, enfin, j'ai entendu grincer quelque chose. Là, voilà, dans sa boîte. Et donc, la référence Best 9714, donc Ferrari 330 GTS 1967, mais dans un bleu azur métallique. Voilà, ça après c'est l'interprétation métallique azur. Alors, on passe à la deuxième, la version compétition, hein, puisque j'essaie toujours de faire un modèle de série classique et un modèle de compétition. Alors dans les deux petits fourreaux. Là-bas. Et donc là voici, donc on part cette fois-ci sur une 275 GTB4 Test Le Mans. Bon, ben voilà, en 1968 aussi. Donc 68, voici une année après l'autre. Voilà, je vais faire le petit déballage. À l'habitude, celles-là sont des voitures un peu particulières. J'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur. J'en ai déjà l'autre, j'ai la version 41, je pense. Bon, la voici de plus près. Donc c'est vraiment un crème, blanc crème. Pas un blanc tout à fait blanc, mais un petit peu de beige dedans. La voiture est magnifique. Quand j'avais recensé tout ce qui me manquait, c'était vraiment elle était favorite dans mon choix. Parce que bah, vous avez vu dernièrement aussi sur l'autre vidéo la 41, donc c'est exactement la même, mais une version 41. Bon, il y a des petits ajouts, il y a des phares additionnels, il y a des choses comme ça. Donc, je suis assez content déjà de les avoir, ces deux-là. Vraiment magnifique. Belle couleur, ça j'aime bien, ça change de rouge, tout en rouge.
Bon, après, on n'est pas sûr sur certains des couleurs parce que bon, voilà, dans ces années-là, la photo couleur n'existait pas, commençait à apparaître. Mais je pense que Leica fait des recherches assez approfondies pour être généralement dans le bon. Là, pour donc cette deuxième présentation. Voilà, maintenant la boîte, on l'a abîmée non plus. Et donc là, voici une nouvelle fois dans son boîtage. La référence donc Best 9715, donc Ferrari 275 GTB4, test Le Mans 1968, donc piloté par Grossman et Pernet. Voilà, c'est déjà donc la fin. Voici le petit résumé donc des deux modèles, la 332 GTS cabriolet, enfin donc oui, GTS Speeder. En métal, en bleu azur métal, et la version donc de 275 GTB4 testement de 68, piloté par donc Bob Grossman, je pense, c'est Bob Grossman son nom, et Bernet, pilote que je connais un peu moins. Je vous dis un tout grand merci pour vos abonnements, vos petits partages, vos petits pouces bleus, les petites activations de cloche, ça me fait plaisir, continuez comme ça. Je vous dis à tout bientôt, salut salut. Thank you.